Fait que le gagnant ou la gagnante du forfait de chasse à l'ours est... Samuel Lucier. On était loin de se douter qu'avant même d'arriver au stand, on arrivait face à face avec un ours. Un beau en plus. Le vois-tu? Tu le vois-tu? En plus des mouches, il fallait s'approcher, fouiller dans le pack-sac le rangefinder, filmer, sans faire de bruit, ça n'aurait pas été facile. J'ai décidé de le laisser partir, puis monter dans le stand au plus sacré. Bon. Changement de plan. T'es bon pour tirer jusqu'à comment loin? Je dirais 40. Ok. Ben là, on tirera pas 17, c'est sûr. On va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer, là. Là, tu vas passer devant moi. OK? On va attendre de voir qu'est-ce qu'il fait, là. Il va revenir. Puis, si c'est pas lui qui revient, un autre va venir. Finalement, cette journée-là, on n'a pas vu d'autres ours. Aucun des cinq qui allait à cette bête-là. We'll be right back.
les lignes en plus. Oh non. Ouais. Ça fait un trou dans le baril, là, là. Toc. La grenadine a-tu pompé un peu? Ouais, je pensais tomber dans les pommes. Quand il était là-bas, là, puis qu'il descendait là, puis qu'il s'en venait, là. Je suis sûr que le cœur, la cœur, elle va me sortir du chest. C'est là. Ah non, les rages, là, ça fait un job. Il est pas loin, je te le dis. Peut-être ta flèche est petite. Elle est pétée en deux. Ça, c'est peut-être 120 pieds, là. Ah, c'est juste un homme, là? Oui, hein. Ah, ben ouais.